Bonjour mes petits, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien aujourd'hui. On est là pour s'ouvrir la box de Wookbox, comme ceci. Je vous montre pas l'autre côté parce qu'il y a mon adresse. Du coup voilà, et je voulais ouvrir ça avec vous comme on a fait le mois passé. J'ai mon petit chat qui passe entre les jambes. Tu me chatouilles, Miss. Du coup, je vais l'ouvrir. La mettre de côté pour pas trop se spoiler. Je chope le petit magazine qui est enfin c'est la Wickbox classique, voilà. Et si je me rappelle bien, on avait du Zelda, du Spider-Man, du non, Toy Story, je pense que c'est tout, et du Harry Potter, c'était la box avec un petit peu d'Harry Potter. Du coup, je chope le premier item. C'est le pins, une petite bombe, on dirait. Je vous montre ça de plus près. Comme ceci, une petite bombe toute jolie. Je ne sais pas dans quoi. Je sais pas si c'est pas dans. Dans Zelda, je dirais. Comme ceci, voilà. Après, je cherche un autre item. Je prends ceci. Ah, du Zelda. C'est un porte-clés. Comme ceci. Je crois que c'est Triforce que ça veut dire. Et alors, je vois officiel inclus son. Regardez, je vous montre là. Je sais pas si vous allez voir, mais là il y a un truc. Du coup, on va essayer d'ouvrir ça avec vous. Je vais choper les petits ciseaux qui sont juste ici pour savoir ouvrir les petits morceaux de papier collant. Voilà. Après, on le chope par où? On te chope de par où? J'avais pas envie de casser le packaging. En fait, je vais pas avoir trop le choix. Ah non, voilà, j'ai trouvé. Il voulait pas sortir le vilain. Il se présente dans un petit. Allez, sort. Je vais m'aider un petit peu. Voilà. Ah, on n'a pas l'air d'avoir de pile. Enfin, je sais pas. Voilà. Le petit porte-clés, normalement vous voyez, il fait du son, il fait de la du son, mais quand on appuie, il n'y a rien qui sort. Voilà. De Zelda. Je vais mettre les petits papiers sur le côté. Puis je sens. Là, je crois que c'est le t-shirt. Je sens. J'ai pas fait. Hop. Waouh. Oh, il est trop beau. C'est un Big, si vous voyez bien, un Big Harry Potter, trop bien. J'ai pas beaucoup d'items Harry Potter parce que je ne fais pas trop la collection. Le seul truc que j'ai, c'est la Poké Pop, enfin la, ouais, la pop de Weasley sur la pièce d'échecs. Regardez ça, qu'il est beau comme présentation. Les détails qu'il y a dessus, je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà, je vais le retirer. Il est attaché comme le. Avec les petits machins noirs qu'on attache comme les jouets. Les petits cordons, je sais pas comment ça s'appelle. Mon chat qui ouvre le store. Du coup, ça va être flou dans 2 minutes. Bon, ça y est, ça. Je vous montre le détail du dessus du bic. Voilà, et c'est un bic. Je me mets du mauvais côté, le capuchon et ce petit capuchon blanc. Hop. Mais la baguette, elle est super belle. Mais je ne sais pas de qui c'est. Harry Potter. Moi, j'ai toujours pour Harry Potter de fleurs, mais pas grave. Voilà, je vous montre le nom en dessous. Je ne sais pas si c'est cette baguette. Voilà. Très belle, juste côté. Voilà. Après, je vais
choper. C'est pas une pop. Je crois que c'est une Q-Flick. Après, je regarde. Après, les t-shirts. Oui, c'est une Q-Flick de Spider-Man. Regardez qu'elle est belle. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je vais la déboxer pour vous montrer. Elle est très belle. On regardera après le petit catalogue. Enfin. Ah ouais. Ah, il est tout. Celui-là, je crois que je vais le... Je suis pas trop fan de Spider-Man. Mais je l'aime bien celui-ci. Il est trop beau. Je vais retirer ça comme ça. Enfin, je vais vous montrer de plus près. C'est une Q-Fi. Regardez, en plus, le Spider-Man, il bouge. Et alors, il fait des photos. Je sais pas dans quel film il fait ça. Mais il est trop beau. C'est vrai que c'est vraiment bien fait, les Q-Fi. Je connaissais pas avant Woolbox. Mais elle est trop bien faite. Je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux la petite figurine. Très belle. Avec son appareil photo. Voilà. Le dessus aussi, regardez. Il est attaché à la lampe. Voilà. C'est une petite lampe. Très mignonne. Je trouve ça très joli. Dites-moi. Elle est très belle. Alors, ben, il n'y a plus que le petit t-shirt. Du coup, comme il y avait du Toy Story, les t-shirts et du Toy Story, et ça, ça m'arrange. Je l'ouvre directement, je vous montre là, parce que moi, je regarde pas, j'essaie pas de voir. Je le chope, ça a l'air grand par contre. Du coup, je vous le montre. Bon, ça doit aller. Il est beau, j'espère. J'espère qu'il est bien. Oh oui! Oh, il est trop chaud. Oh oui, il est trop beau. Ça, c'est pour moi. Il est trop beau. Le zoom ne veut pas se faire. Comme tout le temps. Mais il est trop mignon. En plus, j'avais pas de Toy Story. Je vous montre. Il a le tag dans le t-shirt. Le petit tag en papier. J'espère que ça va pas être trop grand. Non, je crois que ça va être bon. Parce que j'avais pris du XL homme. Parce que je me suis... Moi, j'aime bien les cols plus haut. Enfin, rond comme ça. Ça, c'est Paris d'Aïsa. C'est bébé panda. J'aimais bien. J'aime mieux les cols ronds qu'un peu trop culvés. Et puis, j'avais pris un... taille hop. Parce que si je ne sais pas le mettre, je sais le donner à quelqu'un. Voilà. Mais celui-là, je le garde pour moi. Le petit alien, il est trop beau. Voilà. Et après, comme vous savez, on peut... changer la caisse et du coup je vais faire un tour de magie. Vous allez voir dans 2 minutes. Et me revoilà avec la boîte toute faite. Regardez, c'est une cassette trop mignonne. Les anciennes cassettes, qui connaissait, moi j'ai connu ça. Et du coup l'avant, je vous montre, il y a Toy Story, Spider-Man, je pensais que c'était marqué 2 mais non. Et là c'est Zelda, les hantes de Zelda. Enfin, ouais, je vous montre. Elle est trop mignonne, la petite caisse. Voilà. Et là, c'est marqué Woolbox. Voilà. Du coup, on va regarder un petit peu le petit feuillet. Parce qu'avant, il paraît que c'était un petit livre que je regardais. Allez, du coup, on va regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, la petite figurine est à 19 euros quand même. C'est pas donné quand même pour une Q-Fig. Bon, je dis pas le détail. Souvent, la tendresse a fait le pire bête. Enfin, soit. Le t-shirt juste ici. Hop, je vous le remonte. Celui-ci est à 20 euros. Ouais, ça fait quand même... il est pas mal, j'aime bien. Le Big Harry Potter est à 8 euros. Tous les sorciers se doivent d'avoir en sa possession la meilleure des... enfin, la meilleure
des sieurs pour bien suivre les cours et disposer de Poudlard. On ne voudrait que vous retrouviez votre bureau. Voilà. Après le petit porte-clé qui ne va pas à Zelda. Faudra que je regarde. Après la vidéo. Après la fin. Ça c'est 8 €. C'est la force et le courage et de la sagesse. Ce sont des qualités qu'on doit vous accompagner en. Voilà. Deux euros. La petite. Le petit pings comme ceci, 4 €. Attention aux abris, une arme particulière et dangereuse vient d'arriver et vous ne pourrez pas échapper à le rayon d'action à la je sais pas quoi. Alors on avait un de 2 000 € de cadeaux à gagner. On a une PlayStation 4, 2 petites figurines, je suppose que c'est un enceinte, et alors un truc de jeu. Et là, c'était la commande de Winbox. Je ne sais pas, regardez, je vous montre les petites photos là, juste en dessous. Voilà, je vous montre le petit feuillet. Et voilà. Du coup, c'est celui de juillet, bien sûr. Juillet est déjà annoncé, mais je ne sais plus vous dire c'était quoi annoncé. Je l'ai vu, je reviens tout de suite et je vous dis c'est quoi pour le mois prochain. Je suis là, du coup, pour le mois prochain, on aura du Deadpool, du Pokémon, ça m'arrange aussi, du Black, retour vers le futur, je suppose, et Gamma's Throne. J'espère que j'aurai un t-shirt Pokémon, ça me tendrait plus. Du coup, voilà pour le mois prochain, pour juillet. Elle est déjà en commande. N'hésitez pas à aller checker ça, si ça vous dit. Si vous voulez, je mets le site en barre d'infos. Et voilà. Dites-moi. Moi, on pense à ça. Moi, ce que j'ai préféré, le petit stylo, que j'ai bien aimé. Et alors, le t-shirt de Toy Story, c'est mon coup de cœur. Bien sûr, je le mets à l'envers. Mon coup de cœur. Il est vraiment trop chouette. Voilà, dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!